Salut les voyeurs. Namasté. Pourquoi tu dis namasté? Ben je donne un indice. C'est, tu dis n'importe quoi en plus, franchement. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc ça y est, on est arrivé, on est à l'aéroport d'Hanoï. International d'Hanoï. Bon, ça a été rapide, hein, une demi-heure, ben, en même temps, à Hanoï, à 6h du matin, il n'y a personne. Il n'y a pas trop de circulation. Si, donc, ils sont déjà à la soupe. Hein. Oui, oui, non, mais je veux dire, au niveau de la route, en plus, on prend l'autoroute, donc c'est bien. Très on bien. Est à moins de 2 heures de l'embarquement. Ça nous a coûté 11,50€. Ouais, c'est ça, la course, bien sûr, en taxi. Mais ouais. Bon, c'est le tarif. Il y a un moment. Il faut bien sortir de l'argent. J'ai pas envie de venir en bus à 6h du matin. Non, ouais. Il se passe un truc extraordinaire pour les billets d'avion. Ah, c'est pas extraordinaire, c'est juste qu'on prend toujours nos billets directement avec la compagnie qu'on va utiliser. Donc là, c'est Air Asia, bien sûr, hein, vol low cost, on n'a pas de bagages en soute, pour nous c'est le moins cher. Ouais. Mais cette fois-ci, on est passé par un prestataire. Ouais. On n'est pas allé directement sur le site de la compagnie. On va tester, quitte à tester, autant tester... sur un vol ici, et même si on le rate, on sait que c'est pas grave. Oui. Je vais pas tenter le coup sur un Nice Bangkok, quoi, et rater mes vacances. Non, pas du tout. Voilà, maman. Mais écoute, quoi d'autre? Mais dis donc, t'as perdu tes cheveux? J'ai perdu à Shifumi. Quand on perd à Shifumi contre Wiki, on se retrouve la boule à Z. Non, ouais. En fait, je vais vous donner un autre indice. Ouais. Namasté, il était pas bon. Non. Pour partir dans le désert, c'est mieux d'avoir les cheveux courts. Pour l'instant, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, on n'a pris que le taxi. Donc pour l'instant, le prestataire, tout va bien. Ouais, allez, vas-y. Donc le vol pour Doha est à l'heure, Bali aussi. Londres aussi. Londres, Hong Kong. Bah, ils sont tous à l'heure, quoi. Ouais, c'est bon. Pas bon. 8h10, on embarque dans 5 minutes, ça n'a jamais été aussi long. Grave, ils ont deux tensions, on dirait qu'il n'y a que des stagiaires. Et puis depuis une paire de mois maintenant, même quand on a nos cartes d'embarquement sur nos téléphones ou imprimées, ouais. C'est fini, on ne peut plus embarquer. Il faut passer malgré tout par l'enregistrement pour qu'on ait le petit carton habituel. Oh, aucun c'est intérêt, pénible, non, mais aucun ça. Intérêt de vivre à cette époque. Si, en fait, on vit en 1950, quoi. Sérieux. Enfin, c'est pas grave. Ouais. Bon, on va y arriver quand même. Il y a des kilomètres. Porte 34, à faire. Maman. Non, c'est. Là-bas au bout. Ah ouais, au bout, ouais. Ouais. En plus. C'est toi qui as choisi les places là? C'est une blague? Non, c'est pas moi, maman. Si. T'as une place assise? T'as dit... Tu veux que j'explique ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais au hublot? T'as jamais eu le hublot? Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est voilà, à moi, la place. Super. Bah, je te l'offre, je te l'offre. Je te la laisse. On est où? Moi je sais. Quelle est drôle. Oui. Bravo Wiki. Bah ben oui quand même. Oui, bon. C'est gaffe, on arrive à la fin du tapis. Hop là. Bon ben nous sommes bien arrivés. Ouais, ouais, ouais. Et pour découvrir ce nouveau pays, ben, il va falloir patienter un petit peu plus. Et si on leur disait rien pour la journée? Il y a des gens qui vont repérer quand même les lieux, bien je pense. Sûr. Et nous on va déjà faire l'immigration de nouveau. Oui. Ce sera déjà pas mal. Et puis voilà quoi. Ben oui, hein. Ça s'est bien passé le vol. Oui. Oui, on va aller manger. Ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été très très long. Hein. 3 heures de vol. Ouais, ben pas très très long. Sauf que maintenant, eh ben, il est 13h15, puisqu'il y a une heure de décalage horaire en plus. Voilà. D'accord. Très bien, oui, qui voyage. Bon, allez, arrête de faire l'enfant. Dis-leur où on est maintenant. C'est moi qui viens de te dire. C'est pas drôle. Sans déconner. Hein, franchement, il est nul ce Wiki. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, ce gosse. Donc, on est où, Wiki? Bah, on est où? On est à l'aéroport. De Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur, bien sûr, en Malaisie. Eh oui, eh oui. Sauf que nous, comme on est parti d'Asie, hein, de Hanoï, on est au terminal 2. Donc maintenant, il faut qu'on se rende au terminal 1 pour pouvoir prendre le bus
pour rejoindre le centre-ville, parce que l'aéroport, ouais. Non, ça c'est autre chose, vraiment. Ça c'est le train. Ça, ça coûte une blinde, on l'avait fait la première fois. Quand je le dis, ouais. Oh, c'est là, tu fais le nana, je te dis, ah oui, ma chérie, pour pas me couper le sujet. Ah, recommence, recommence. Ouais. Bon. Ah, c'est là, chérie. Ah, bah oui, bah, ouais, voilà. Super, pour une fois, tu vois, on a trouvé du premier coup. Merci. Merci, maman. Et donc, maintenant, on va aller chercher le shuttle. Chez où c'est, hein, c'est pas ça. C'est clean, hein, ici. Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais, aussi. Tu vois, c'est ton numéro 1. Il dit au numéro 2. Oh, t'arrêtes de dire toujours des conneries, j'ai rien dit du tout, ça commence à bien faire. Hein. Tu vois, tu prends plus la parole. Hein. Ça commence à. Franchement, c'est pas sérieux ça. Donc on est où? Ouais. Au niveau 1. Voilà. Alors, on est quoi? On est où? On attend le shuttle. Voilà, la navette gratuite nous permettra de rejoindre le terminal 1. Voilà. Et ben voilà, c'est pas compliqué à dire. Bon ben c'est cool. Oui, j'ai faim. Oui, je sais, t'as faim. Oh là, mais t'arrêtes pas aujourd'hui, hein. C'est dingue, ça. Oh, c'est le jour du climat. Quelle journée. Mais elle est pas finie. Non, mais... Donc oui, du 1 au 2, il y a long à faire quand même. Oui, du 2 au 1, on va. Oui, ben, c'est pareil. C'est pareil. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Ouais. C'est après pour rejoindre le centre-ville où il y a plus d'une heure de bus. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Et par le train, il y avait 45 minutes. Oui, mais c'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est 5 à 6 fois le prix. Donc, ça doit être dans les 12 euros par personne, alors que là, ça doit nous coûter à peu près 2 euros normalement. Donc le bus, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Donc pour l'instant, on s'y rend à la gare de bus. Ça a été rapide, on n'a mis que 10 minutes. Mais c'est fou ça. Je te dis plus rien. Tu te débrouilles, on va où maintenant? Ben, on va prendre le bus pour, ouais. Pour se rendre à Kuala Lumpur Centre, tout voilà, simplement. Voilà, KL Central. Et donc voilà. C'est dans ce bloc-là, et juste ben... face à nous. Donc quand on descend de la navette gratuite, c'est le bâtiment juste en face, à 50 mètres, juste ici. Voilà. Allez, on y va. Il faut trouver le guichet 3, c'est en face, en face. Wiki information voyage. Ben voilà, c'est fait, on a des tickets et les bus sont pleins, donc on n'aura pas un bus avant 4h de l'après-midi. Il est dans, quelle heure? Il est 3h moins le quart, dans 1h un quart. C'est comme ça, maman. Et on a réglé donc 30 ringgits, ce qui fait on va dire 3 euros chacun, 6 euros pour nous deux. Et oui, 1 euro environ 4,80 et bon 5, on va dire 5 ringgits. Voilà, c'est plus facile pour compter. C'est pas ici. Bon. Oui. On va prendre un peu quand même. Ça va bien. Okay. Attention. Okay. Combien? 18 ringgits. Okay. Bienvenue en Malaisie. Ici, deux possibilités s'offrent à vous, soit avec la fourchette, soit avec les doigts. On a donc opté pour une fourchette. Et oui, pour commencer. Voilà. Pour se mettre dans le bas. Donc du riz. Oui. On a également du poulet. Des pommes de terre, riz, poulet, pommes de terre, un beignet de je ne sais pas. Oui, une sauce spicy. Une sauce spicy. Piquante. On va savoir donc tout de suite ce que ça donne. Nous en avons eu pour 18 ringgits. Non, spicy. Spicy. Ouais, c'est bien quoi. Me souviens. Est-ce que tu as cette conversion en tête, oui. Ben, 4, un peu moins de 2 euros chacun. Ça va, on commence bien, on commence bien. Voilà. Tout va bien. Bon, on a une fourchette, mais comme on n'a pas de couteau, ça change rien, faut mettre les doigts. Spicy. Mmh? Ah oui, maman, spicy, oui. T'avais oublié. Oui. On prend pas la carte, c'est pas rentable. On va rester seulement 3 nuits, 2 jours. Ça va aussi vite de prendre les tickets au fur et à mesure.
Donc, hop, comme à Bangkok, rien de sorcier, nous on descend à Pasarsani, il n'y a qu'une seule station. Deux ringgits 60. Ben, je t'en prie, tu divises par 5. T'es contente de toi? Bravo la Malaisie. Fini les billets, maintenant on se retrouve avec des pièces, on va en avoir plein les poches. On peut les voir ces pièces ou pas? Ouais, elles sont jolies. Des pièces quoi. Ouais, mais elles sont jolies. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est 20 gilets même. Eh oui. On va reprendre nos bonnes habitudes, je crois. Mais pour l'instant... L'hôtel. On est dans la rue de l'hôtel, ce sera pas bien compliqué pour... Se restaurer. Ouais, on peut dire ça, pour manger, ouais. Ouais, carrément. Alors, vas-y, cherche avec moi. Floresta. Hôtel Chinatown. Je l'ai pas mal. Côté gauche normalement. C'est bon, je l'ai. Allez, go. On y est. C'est bon, je me suis occupée de tout, hein. J'ai fait le check-in. Bah oui, bien sûr. Ici, les sacs remplis de lingots d'or. Ah ouais. Attends, on dit des bêtises quand même. Ah, ascenseur. Ah ouais. Cinquième étage. Eh oui, mais ascenseur. Ah bah non, pas de cinquième étage. Eh ben alors, pas. Alors vas-y, fais où tu veux. Au deuxième. Je sais pas, c'est devant l'ascenseur. Bah écoute, il y a que rez-de-chaussée et deuxième étage. Alors, on va voir. Deuxième. Sinon, on n'a pas pris le bon. Bon, c'était le bon ascenseur, mais en fait, l'hôtel d'entrée, il est tout petit, mais en fait, c'est immense. Il y a 700 chambres et quelques. Ça ne s'arrête plus. Il y a un long couloir, une terrasse. Wow. On peut prendre un café alors, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça. Ou une bière. Ou une bière, exact. Maman, ça, c'est l'accès aux chambres. T'as vu comment je parle bien l'anglais? Très bien, Wow, je suis trop balèze. On n'est pas arrivé. Hein. Ouais, il y a encore un ascenseur donc maintenant. Où ça? Bah, je sais pas, mais là. Pour aller jusqu'au cinquième. D'ici qu'on soit tout en haut des tours Petronas, il n'y a pas loin. C'est pas le même prix, je pense. J'en profite pour vous faire un point météo. Il y avait longtemps, dis donc. Il fait plus de 34 degrés. C'est la bien chaleur ça. Est intense. Mais là, ici, fait bon. Oui, vas-y, ça s'ouvre. Jette-toi dans l'ascenseur, maman, avant qu'on nous le prenne. 5? Il n'y a pas de 5. Ben, appuie sur le 5. Alors, ça va, tu t'es pas viandé? Non, j'ai fait, il y a du braille en dessous. Ah, bah c'est cool. C'est plus facile. Allez, trouve. Ah, va chercher, c'est ça? 22, 21. C'est combien? 16. Hein. À droite? Ben voilà. Ah! Jolie musique. Oh, tu es beau! Vas-y, Wiki. Allez, contre-jour cache, je vais carrément dans le fond. Et de là maintenant. C'est chouette. On y voit. Pas de lumière? Bah de seconde, tu me. Vite. Eh oui. Une alarme. Waouh. Oh là là, je sais pas. Ça y est, on fait déjà des conneries, non? C'est bon. Ah, quand la porte n'est pas fermée, ça sonne. Eh ouais. Ouf, on a géré l'alarme. Oh là là, monsieur impatient, donc oui, il faut mettre le verrou, sinon ça ne fonctionne pas. Bien, un coffre-fort, des cintres, une salle de bain séparée, minuscule mais séparée. C'est bien ça? Oui, très très bien. C'est moi là? Oui, c'est moi. Le loup, c'est moi. Ouais. Un grand lit propre, une petite déco sympa, télé, une bouilloire. Eh ben. Génial, de l'eau, du café.
Avec une vue sur ? Sur rien. Je ne sais pas ce que c'est. Sur un autre bâtiment. Bon, ouais. Écoute, c'est pas grave, on a une fenêtre, on voulait une fenêtre, on a une fenêtre. Ouais. Et ici, cette porte, si vous vous demandez ce que c'est pour avoir accès à la chambre d'à côté. Parce que oui, Wiki va dormir à côté. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, n'éteins pas Wiki, j'ai pas fini de parler. Ben, j'ai pas éteint, hein. Si, t'as fait. Non, du tout. Et je me disais, oui, il y a une fenêtre, mais en fait, elle s'ouvre pas. Alors, quel intérêt ? Te faire plaisir, t'as demandé une fenêtre. Ouais. Donc nous payons pour cette chambre 15 euros la nuit. Ouais, on est à Kuala Lumpur. On est plein centre-ville, il y a Chinatown juste à côté, le métro, le 7-Eleven, la chambre est clean, bon bah c'est comme ça, hein. C'est la capitale. On est installé. Oui, ici c'est un labyrinthe, hein, comme dans notre hôtel. Ouais, ouais, on se retrouve direct dans le cœur de notre quartier, donc Chinatown. Hein. Ouais. Ça a bien changé, il n'y avait pas autant de stands. Avant on pouvait marcher tranquillement mieux. Ouais. Et là, c'est plus sympa, c'est plus vivant. Ah oui, c'est sympa, bien sûr. Donc moi, j'aimerais bien boire un verre, par contre. Oui, moi aussi, j'ai très soif. Non, tu n'auras pas de nouvelles. Non, mais... Welcome. Et ils sont où? On est au 7-Eleven. Eh ben oui, on l'avait dit, donc on y est. Qu'est-ce que t'as pris? Ben, c'est lemon. Ouais. C'est pétillant, goût citron. Avec c'est... un peu de vitamine C. Oui, il m'en faut parce que... 12 heures de voyage quand même, hein. On est parti ce matin à 6h, on est arrivé à 6h, enfin à 18h. Ah ouais, franchement, c'était long, on n'a jamais passé autant de temps... Pour faire pas grand-chose. Pour les papiers, 3 heures, là, franchement. 3 heures de vol, mais qui galère, t'as raison, dans les queues, là. Excusez-moi, mais c'était des bras cassés, hein. Ouais. C'est la première fois qu'on met autant de temps, que ce soit enregistrement... Toi non plus, tu m'écoutes pas, c'est ce que je viens de dire. Ben, je sais, les deux immigrations, et moi aussi, j'ai pris une petite boisson. Ah, celle-là, je connaissais pas. Alors, est-ce que c'est coréen, est-ce que c'est japonais, vu les écritures, ou chinois, je sais pas. Choupa choups à la fraise. Je peux goûter? Vas-y, ça a le goût d'une sucette choupa choups à la fraise, hein. Tu t'attendais à autre chose? Oh, c'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est original, franchement, c'est chouette. Fort sucré, fort chimique, mais pas mauvais. Et donc, on en profitait pas pour faire quelque chose, là? Oui, remercier les tipeurs du jour. Et donc, c'est moi qui commence? Non, c'est moi. C'est Isa et Jean-Luc. Ainsi que Sophie. Voilà, un grand merci pour cette première boisson ici à Kuala Lumpur. Exactement, ça fait du bien, on en avait envie, hein. Parce que Wiki m'a rien donné à boire ce matin. Mais si, on avait des bouteilles d'eau. Mais t'auras fait que mentir toute la journée, en fait. C'est fou, ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien contents d'être arrivés en Malaisie. C'est vrai. Une nouvelle aventure commence. Mmh. Et comme on vous l'a dit, comme ça fait 12 heures qu'on est sur la route et que la nuit va tomber, il est temps de vous laisser. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit... Bonne nuit, les petits. Tu crois qu'ils vont goûter parce qu'on a fait que du transport? Ben, il fallait bien venir jusqu'ici, c'est marrant toi, on fait du transport, c'est ça aussi hein, les voyages. Hein.